vraiment ma la marée y est et l'ambiance ici au top, on est super bien nourri et vraiment le concours quoi. Bon mais je suis ici à Maurice, super expérience, notre matchmoon, on met l'armée ensemble, on retrouve à une Maurice Lini, bonne unité régnée d'or président et sa publique chinadienne, là, top, bien de rien dire, super publique, top. Moi, salut les Indiens, je suis des élus hors du commun, un an 2015 avec la Réunion. Lyon tête en gel et maintenant. Ici, c'est une grande différence à cause d'un nouveau support public ici. Et nous, on délance loin. Déjà, au départ, les jeux m'ont fait bien la chance pour qu'on t'apprenne. C'est un jeu rempli d'émotions. Une récit, malgré le baguette médaille, on va nous faire mourir du vrai. Mais aussi, une récit bien overall, d'un classement général, c'est une grande fierté pour le pays. Et pour ça, je vous remercie pour tout le monde récit pour ça. En tout cas, les jeunes athlètes qui bossent. Pour moi, j'ai des idées, il passe super bien. On est bon longtemps avec les autres disciplines aussi, avec une connaissance dans les autres pays. Et nous avons vivre une expérience marie-sérieuse et que nous trouvons qu'il n'y a que deux points faibles et tout ça. Je travaille pour 2004 encore, que pour nager des îles encore, que pour une glisse médaille encore. Les moyens ont été mis en place pour me mettre dans de bonnes dispositions. C'est sûrement la plus belle ambiance que j'ai vécue pour le moment en tant qu'athlète. Lorsqu'on jouait, il y avait vraiment une vraie ferveur. Comme l'a dit le capitaine, on espérait un petit peu mieux au niveau du rendement des médailles. Après, je pense que dans un, comment dire, dans un aspect général, je pense que Maurice a fait le boulot parce qu'on a gagné les Jeux des Îles à la maison. Maintenant, dans 4 ans, le tennis de table doit ramener un peu plus de médailles d'or, mais c'est aussi du fait qu'il y a aussi d'autres nations qui mettent des moyens aussi pour progresser. Les Maldives en plus ont gagné 3 médailles d'or. La Réunion, il y a 4 ans, a fait égalité avec nous, mais repartit avec une médaille d'or. Donc, à 4 ans, à nous d'être tous. Le premier GDG, je suis extra content à cause de mon participe GDG et que ça est une grande compétition. Mon bon ressenti, c'est que je suis fier de nos bons résultats et que la prochaine fois, nous faisons. Ça tout de suite vraiment super et au niveau logement, au niveau la compète aussi. Et aussi, bon, dans l'ensemble, on est bien satisfait que l'équipe Maurice en général nous termine premier au tableau des médailles. Et tout son team de table, bon, on respecte un peu plus, mais vraiment on a mal joué au niveau. Et bon, prochainement, c'est vrai que tu viens de Dakar. Pour moi, j'ai des images bien passées. 4 sorties, 4 victoires. J'ai préparé tout ça. Marie content. Et toute préparation pour surprise, Lina, avec une préparation qui Marie tire, extase, Marie tire en Thaïlande. Ben là, Lundini, Lundiami Daido, Marie content, et en tout cas, merci de la République, Lundiami, toute famille, toute bagrosse, Lundiami. Et Marie de 10e jeu des îles dans l'île Maurice, une récit relève des défis. Merci. Et pour moi, c'était une très grande fierté d'avoir défendu le cadre de Golo Mauricien. Et c'était une première pour l'athlétisme d'être médaillé aux 100 mètres parce qu'auparavant, PSU n'a pas gagné médaille aux 800 mètres. Donc, pour moi, c'était un honneur d'être le premier médaillé aux 100. Et au niveau de l'ambiance, c'était vraiment quelque chose de magique parce que tout le temps, nous sommes olympiques, mais pour nous, c'était un mini-olympique. Et nous vivons ça à l'île Maurice. Et pour moi, c'était une très grande fierté. Voilà, les Jeux des îles se terminent aujourd'hui, avec le départ de toute la délégation, et c'était une super aventure. Voilà, on est arrivé il y a 10 jours à l'hôtel intercontinental, et en 10 jours, on a eu le temps de vivre beaucoup d'émotions, la compétition, la préparation de la compétition, la pré-compétition, regarder et faire connaissance avec les autres disciplines, les encourager, s'encourager mutuellement. Voilà, c'était très enrichissant humainement.